Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo haul, un petit peu déco maison, beaucoup vêtements et un petit peu aussi d'accessoires pour la maison, d'accessoires pour les enfants. Donc c'est une vidéo en collaboration avec Shein, vous savez que j'aime beaucoup ce site, j'aime beaucoup travailler avec eux parce qu'ils proposent une vaste gamme de produits, que ce soit dans le lifestyle, la décoration, la mode ou même des choses électroniques, des accessoires de cuisine, etc. Vraiment énormément de choses qui correspondent à chacun et sur Shein vous pouvez aussi au niveau des vêtements trouver des tailles pour tout le monde. Vous trouvez vraiment de tout sur le site pour vraiment tous les goûts et surtout à des prix abordables, des choses tendances, des choses utiles. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce site. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens en barre d'informations ainsi que mon code promo. Et comme c'est les soldes, c'est le parfait moment pour se faire plaisir ou gâter son entourage à des prix réduits puisque vous avez beaucoup beaucoup de petits prix sur Shein. Donc on va commencer déjà par tout ce qui est on va dire accessoires pour la maison et ensuite je vous montrerai les tenues, les magnifiques tenues que j'ai choisies, que ce soit pour un petit peu toute la famille. C'est parti. Donc le premier objet, c'est ce miroir-ci, il est LED, voilà, tout autour il y a une lumière, donc là il faut le brancher avec le petit câble qui se trouve avec. Il a trois couleurs, trois intensités, il est 360, vous pouvez le tourner, hop, comme ceci. Et il est tactile, pour l'allumer il faut juste appuyer sur le petit bouton qui est juste ici. Je vais vous montrer de plus près, voilà, pour pas vous mettre la lumière sur vous. Donc voilà, qui ira dans ma petite pièce. Donc ensuite j'ai repris une poubelle, donc si vous avez suivi dans mon dernier haul Shein, j'ai pris énormément de poubelles. Pour toutes les pièces, salle de bain, toilette, chambre, mais il m'en manquait une. J'ai celle-ci, la même, exactement la même dans ma chambre, dans ma pièce pardon, dans mon bureau dressing. Et celle-ci, je l'ai pris pour ma chambre. Donc franchement, elles sont très très bien. J'aime trop sur pied comme ça pour être un peu en hauteur. Pour aller avec, j'ai pris plein de petits sachets. Donc il y a plusieurs couleurs, mais bon, je pense pas que ça change grand-chose. Vous avez jaune, bleu, vert, violet et rose. Quoi que vous me direz, je peux mettre un rouleau par catégorie. Genre un pour les toilettes, un pour les salles de bain, un pour les chambres. Une couleur pour chaque chose. Et c'est des petits formats de 45 sur 50, il y en a 100. Franchement, ça c'est trop utile, j'aime trop. Au moins comme ça, quand vous changez la poubelle, vous avez juste à prendre le sachet et c'est réglé. Alors, j'ai repris ces petits paniers de rangement. Pareil, dans mon dernier haul Shein, j'en avais pris également et là j'en ai repris. Donc vous en avez à chaque fois deux dedans. Parce que vu que je voulais mettre deux étagères avec deux fois ces deux paniers, je les trouve trop beaux comme ça. Franchement, j'aime trop avec des petites poignées en bois. Donc j'en ai repris deux. Et encore une fois, j'ai repris également un tapis. Et pareil, c'est exactement le même que j'ai pris dans mon dernier haul Shein. Parce qu'en fait, c'était pour en haut. Et je me suis trompée dans la taille. Donc du coup, j'en ai repris un autre pour compléter mon couloir du haut. Il est comme ça. Franchement, il est vraiment très très joli. Et surtout, il est antidérapant, donc il bouge pas. Donc moi j'en ai déjà un en haut et il m'en fallait un autre pour finir une partie du couloir. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup comme ça, un peu bleu, un peu beige. Voilà, il est hyper fin, du coup vous pouvez le regarder, hop, voilà, vous pouvez le passer à la machine facilement, vous pouvez le prendre, le secouer facilement, c'est hyper bien. J'ai pris un bonnet pour dormir. Pour les cheveux, pour essayer de maintenir un maximum quand je fais des boucles ou quand je fais des brushings, etc. Voilà, un bonnet pour dormir, quoi, c'est pas très très glam, mais écoutez,
C'est pour protéger les cheveux, pour éviter de les perdre encore plus, vu que j'ai déjà des soucis de chute de cheveux. J'ai pris un petit appareil comme ça pour ma fille, pour ma petite dernière. Il est comme ça, exactement celui du rose, enfin le rose. Voilà, et dedans, ce qui est bien, c'est qu'il fait caméra. Il y a des petits jeux, vous pouvez mettre une carte SD pour filmer. Et il y a une minuterie aussi. Franchement, il est plutôt pas mal. Elle a déjà pris et elle est partie avec. Je vous le montrerai après. J'en ai aussi pris une pour ma fille, pour ma grande. Une espèce de caméra. À l'ancienne, il y en avait des comme ça. Elle est comme ça, voilà, parce qu'ils aiment bien filmer. Vous savez, ils veulent faire un petit peu comme leur mère. Donc, je lui ai pris cette petite caméra sur Shein. Pour lorsqu'on part en... Bon, ça peut paraître bizarre pour certains, mais j'ai trouvé ça et j'ai trouvé le principe sympa. C'est surtout aux États-Unis qu'ils utilisent ça, mais bon. C'est en fait des bracelets que vous accrochez à votre poignet. Et le deuxième, vous l'accrochez au poignet de l'enfant. Donc ça me fait pas mal. Il y a des... vraiment, c'est hyper épais au niveau des... vous savez, de la mousse. Et le cordon, il est élastique. Donc ça se présente comme ça. Vous avez aussi le harnais. Ça fait un peu animal là, mais écoutez, il y a des enfants qui se sauvent et, dans les parcs d'attractions, etc. Franchement, c'est flippant. Si vous perdez votre enfant, vous le retrouvez plus jamais. Donc il y a le harnais qui va avec. Alors moi, je vais pas du tout mettre le harnais, hein. C'était juste pour avoir... J'ai même pas vu qu'il y avait le harnais, mais franchement, c'est top aussi. Hein. C'était surtout pour avoir la corde avec les deux poignets. Ensuite, j'ai pris une trousse comme ça parce que les vacances arrivent et que, écoutez, il faut bien occuper les enfants. Donc dedans, il y a énormément de feutres. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est dans une sacoche, donc ça c'est hyper bien. Vous pouvez même l'emmener en vacances parce qu'elle se transporte. Oh, il y a même des stylos, j'avais pas vu. deux petits stylos comme ça. Écoutez, j'avais pas fait attention moi dans la photo, mais c'est surtout pour les pourquoi pas, ça peut aussi leur servir hein, d'avoir des stylos pour écrire. C'est surtout pour les feutres. Je vais vous montrer. Vous avez un côté comme ça, vous avez un côté tout fin et un côté comme ça. Donc c'est bien, je sais pas, je crois qu'il y en a une... Ouais, il doit y en avoir... à vue d'œil comme ça, je dirais bien une centaine. Hein. Donc voilà, c'est une petite sacoche que vous pouvez transporter partout pour les enfants, même laisser dans la voiture ou sur le trajet pour les vacances ou en vacances. Et elle se porte comme ça, regardez. Franchement, c'est hyper bien. Ensuite, j'ai pris un set pour les boucles et pour le brushing. Donc ils disent 5 en 1. Regardez, vous avez toutes ces brosses là dedans. Je vais l'ouvrir et je vais regarder avec vous. Même si moi je l'ai vu sur le site, mais bon, j'ai jamais testé. Vous savez, les boucles qui se font toutes seules autour de la brosse. Regardez comment ça se présente. Donc en fait, il est rose et gris. Et vous avez juste à mettre l'embout. Je vais vous en montrer un pour vous montrer. Rapidement pour pas que la vidéo ne soit trop longue. Hop, c'est plutôt sympa. J'ai hâte de tester ça par contre. Il y a 3 niveaux. C'est plutôt pas mal. J'ai pris un sac. J'ai pris un sac, un très grand sac avec plein d'ouvertures de partout. Il y a même un hameçon. C'est pour quand on part, vous savez. Quand on va partir dans les parcs d'attractions, puisqu'on va en faire d'autres. Donc je me suis dit qu'un sac, ça irait bien. Regardez, vous avez une poche là, dedans vous avez une autre poche. Sur les côtés, vous avez une poche là et une autre là. Il s'accroche comme ça derrière, donc ça c'est bien. Vous savez, avec les petites fermetures comme ça. Vous avez même pour agrandir le sac tout en bas, il y a une fermeture ici. Là, et dedans il y a pas mal d'espace. Je vais vous montrer. Même les fermetures, elles sont costauds. Hop, regardez dedans. Dedans il est hyper profond, hyper grand. Et vous avez même encore une sacoche là. Vous pouvez mettre PC, enfin tout ce que vous voulez mettre dedans, vous pouvez le mettre. Et il y a même une fermeture ici. Donc vraiment, il est très grand. Regardez, il y a même une fermeture là. Bref, c'est un truc de randonnée, de militaire, je ne sais pas, mais il est hyper, hyper grand. Et surtout, il est bien, vous savez, pour porter et tout. Là, il y a des petites protections.
pour le dos et pareil pour les bras. Vous savez, c'est bien molletonné ici. Donc ça, c'est vraiment bien. Ensuite, pour terminer dans les accessoires, j'ai pris un petit, une petite caméra comme ça, instantanée. En fait, vous savez, c'est les caméras où vous prenez en photo. Je vais vous montrer, je l'ai ouverte. Vous prenez en photo et ça sort directement par ici, en fait. Franchement, je l'ai trouvée trop, trop belle. Et vous avez aussi la petite pellicule qui va avec. Vous avez même le petit objectif ici pour vous prendre vous-même en photo. Vous voyez, ici. Vous pouvez vous prendre vous-même en photo, comme ça. Donc voilà, ça marche à pile. Il n'y a pas de fil, ça marche à pile. Écoutez, on va tester ça, puis je vous en redirai des nouvelles. Mais franchement, il est vraiment magnifique. Pour faire des petites photos instantanées. Même pour l'école, des enfants, etc. C'est super bien pour garder des souvenirs de leurs camarades. Et sur le côté, vous avez plusieurs options. Et aussi avec l'appareil photo, vous avez dedans des petits stickers, comme ça. Et vous avez aussi un petit album photo. Franchement, c'est trop mignon. Donc voilà, là, on va passer à tout ce qui est linge. Pour moi, ça va être ultra, ultra rapide parce que j'ai juste pris des petits shorts, comme ça, pour mettre en été, vous savez, en dessous des robes, etc. C'est des sortes de cyclistes. Mais le tissu, ils sont assez fins. C'est du polyester, il me semble, c'est pas du coton. Ma fille, je l'ai pris en coton, je vous montrerai juste après. Donc il y a noir, blanc et crème, vraiment des basiques. Voilà, et j'ai également pris la robe que je porte sur moi, je vais vous la montrer. Donc pour la robe, elle est comme ceci, c'est une robe longue avec un col qui monte assez haut. J'ai pris le même style à mes filles, je vous montrerai après, avec les manches comme ça, un petit peu bouffantes ou tombantes au niveau des poignets. Elle est vraiment très longue, elle est simple, mais franchement je la trouve élégante en même temps. Elle descend jusqu'en bas, ça me fait penser un petit peu à un style, je sais pas, marocain. Enfin voilà, elle descend jusqu'en bas comme ça, au niveau des chevilles. Voilà, elle est hyper simple mais très jolie. Blanc et bleu. Donc là, on va passer tout de suite à la sélection que j'ai fait pour le reste de la famille. Donc pour la tenue, la première tenue pour mon mari, il en a pris que deux, donc ça va aller vite. Donc c'est un petit peu style... je sais pas, j'allais dire, non, pas marinière, mais vous avez vu, c'est un peu... basket. Non, tu sais, brut, quoi. Enfin, ouais, bref, vous avez compris. Un peu bleu nuit, bleu brut, tu sais, comme les jeans. Bon, c'est le haut qui va avec le short. Voilà, comme ça, hyper simple. Simple mais classique, sobre. Voilà, j'aime bien. Et pour la deuxième tenue, elle est comme ça. Avec un petit nounours ici, là, vous savez, le nounours un petit peu tendance. Un petit peu style... j'allais dire Burberry, non. Et avec un petit Love Life ici. Franchement, il est trop beau celui-là. D'ailleurs, j'ai pris à peu près le même pour mon fils. Je vais vous montrer juste derrière. Parce que c'est la deuxième et dernière tenue pour mon mari. Mais franchement, j'ai trop aimé. Moi, elle est belle cette tenue. J'aime bien aussi. Ouais. Donc, on passe à mon fils. Comme je vous ai dit, il a pris à peu près la même tenue, mais en noir. Avec le petit nounours ici. D'ailleurs, il y est aussi sur le short, juste ici. Voilà, sobre, classique, pour passer l'été. T-shirt et short, de toute façon j'ai pris que des t-shirts et des shorts. Et il a aussi pris ses petites chaussures comme ça, il les a choisies lui-même. Ils sont ouvertes comme ça, vous savez, la transpiration, etc. pendant l'été. Et sur le côté, ils sont comme ça. Franchement, j'ai trop aimé. Avec des petits détails ici, on dirait un petit peu soit dinosaure, soit crocodile. Je sais pas trop, mais franchement, elles sont trop jolies. Pour passer l'été, ça sera très bien. Donc on va passer à une autre tenue. Pour la deuxième tenue, pareil, j'ai pris une tenue que mon mari avait aussi la même. Donc c'est une tenue, on va dire un petit peu, vous savez, basketteur. En rouge et noir comme ça, le short et le débardeur. Franchement, c'est trop bien pour l'été. En plus, il est anti-transpirant. Je ne sais pas si vous allez voir de près la matière. Voilà, il est un petit peu anti-transpirant comme ça. Puis c'est très bien, vous savez, les enfants, ils jouent au parc, ils courent, etc. Donc voilà pour cette tenue. Ensuite, j'ai pris une petite tenue comme ça pour mon fils, pareil, t-shirt et short. Elle est un peu plus épaisse, celle-ci. Elle est vraiment un peu plus épaisse, je me dis, pour les soirées, voilà, vous savez, en été, un peu plus fraîche. Tourne un petit peu, Iliane. Voilà, elle est comme ça. J'ai bien aimé les motifs et j'ai tout pris en 10 ans pour mon fils. Tout pris en 10 ans pour mon fils. Mon mari, c'était M. Donc, voilà. Donc pour la tenue suivante, il s'agit d'un t-shirt avec un short qui s'accompagne d'une banane, comme ça.
J'ai trouvé cette petite tenue stylée. J'aimais bien. Mon fils, il aime bien les... Ouais, une sacoche, une banane, appelez ça comme vous voulez. Avec des petites appellations ici. Et le short, il est un peu plus habillé avec des petits traits comme ça qui font un petit peu pantalon à pinces. Donc pour la dernière tenue, il s'agit comme ça d'un ensemble petite chemise et short à carreaux comme ça bleu. Franchement, j'ai trouvé sympathique. Le tissu, il est pareil. Il est fin, mais... Enfin, ça va, il est fin. J'allais dire, c'est un style, je sais pas, il est tout doux en fait. C'est pas du velours, mais il est tout doux. Tourne un petit peu. Donc voilà, hyper simple avec une petite poche ici. Et au niveau du short, vous avez pareil une petite poche. Donc franchement, top top pour cet ensemble-ci. Donc là, on va passer à quelqu'un d'autre, à ma fille. C'est fini pour les tenues pour mon fils. Donc pour ma fille, ma grande, je lui ai pris cette... Bon, en fait, ils ont choisi eux-mêmes hein, les vêtements. Hein, quand je vous dis je lui ai pris, ils ont choisi eux-mêmes. Cette petite robe comme ça, en beige, elle est boutonnée jusqu'en bas avec une ceinture comme ceci. Et elle a également pris des petites sandalettes, des petites claquettes d'été, voilà, des petites sandales d'été plutôt. Comme ça, elles sont à scratch. Moi, j'aime bien scratch parce que ça va vite. Avec des petites perles. Franchement, j'ai trop, j'aime trop, j'aime bien. Ça fait trop joli. Et voilà, avec cette petite robe, elle est un tissu, elle a un tissu vraiment très très fin, mais c'est très bien pour l'été. Et ici, elle a une espèce de petite bordure. Donc voilà pour cette première tenue. Pour la tenue suivante, donc il s'agit d'une robe, pareil pour mes filles, j'ai pris principalement des robes. Elle est comme ça, elle descend jusqu'en bas, franchement j'aime trop, elle est trop trop légère, fleurie comme ça, vraiment ça fait été. Avec des petits volants comme ça au niveau des bras. Et ce que j'ai trop trop aimé, c'est qu'ici, pour pas que ce soit trop échancré, regardez, il y a un petit bouton juste ici. Franchement je trouve ça trop bien, ils devraient en mettre même sur les robes des adultes. Tourne un petit peu. Voilà pour cette tenue-ci. Franchement j'aime bien. Pour la tenue qui suit, elle est comme ça. En fait c'est exactement à peu près la même que j'ai prise moi. Bon malheureusement j'ai vu trop loin. Je l'ai pris un peu trop grande. Attends, c'est quelle taille ça? J'ai pris 11-12 ans. Elle est un peu grande quand même. Je sais pas, à voir est-ce qu'une couturière peut me la rattraper sur le bas. Mais en tout cas elle est magnifique, ça c'est une certitude. Elle est juste un tout petit peu trop grande. À voir si je peux pas le faire moi-même, essayer de faire un petit tourlet ou quelque chose comme ça, puisque j'ai une machine à coudre. Donc au niveau des poignets, elle est comme ça, pareil, avec des volants. Franchement, elle est magnifique. Franchement, tu peux même la mettre, je pense, avec un maillot de bain sur la plage ou quoi. C'est pas grave si elle est grande. Vraiment, elle est très très belle. Tourne un petit peu. Et puis si c'est pas cette année, je vous dirai, ce sera l'année prochaine. Très belle. On a pris cette robe-ci pour ma fille également. Voilà, c'est une robe longue, pareil, elle descend jusqu'en bas, en noir fleuri comme ça. Ici, c'est élastique, avec les robes un petit peu bouffantes. Bon, vous pouvez mettre sur les côtés comme ça, normalement. En fait, je crois que ça se porte comme ça sur le côté. Mais moi, je préfère qu'elle le porte comme ça. Voilà. Donc voilà, tourne un petit peu. Ça fait un petit peu robe espagnole tout ça, hein, j'ai l'impression. J'aime beaucoup. Donc voilà pour cette tenue-ci. Pour la dernière robe, j'ai pris cette robe-ci, fleurie, pareil, bleue, j'ai trop aimé. Il y a des petits volants, je sais pas, j'aime bien les petits volants, j'en prends un petit peu partout. Donc des petits volants comme ça sur, au niveau des bras. Pareil ici, vous avez le petit bouton, ça c'est trop trop bien. Pour resserrer, pour pas que ça soit trop fendu, trop échancré, et trop décolleté. Et voilà, pareil, elle descend jusqu'en bas, hein. Tourne un petit peu. Voilà. Trop joli. Et aussi, je lui ai pris pour mettre en dessous des robes, vous savez, quand il fait hyper chaud, etc. Des petits shorts vraiment basiques en coton. D'ailleurs, c'est de la marque Shein, basique. J'ai pris trois lots. Donc, vous avez blanc, vous avez celui-ci, comme ça, le bleu. Et vous avez le noir, classique. Voilà, regardez. Franchement, ça, c'est hyper bien. En plus, la matière et tout, vous savez, elle n'est pas chaude. C'est... C'est quasi du 100% coton, regardez, 96% coton. Donc vraiment ça c'est hyper bien pour l'été quand vous suez ou quand les cuisses frottent, etc. Pour éviter les plaques ou voilà, des irritations. Donc voilà pour ma fille, on va passer à la petite dernière. Donc là on passe à la petite dernière, je lui ai pris ce petit ensemble comme ça, c'est moi qui l'ai choisi, celui-ci il est trop beau, type poupée LOL. Donc c'est le t-shirt avec le petit cycliste, le petit short comme ça. Franchement, j'ai trouvé trop mignonné. J'aime trop, ça fait trop été comme ça, multicolore et tout. Et avec, j'ai pris des petites sandalettes comme ça que j'ai bien aimé aussi en beige. Elles sont trop jolies, pareil, c'est des scratchs. Franchement, j'aime trop trop.
avec des gros nœuds comme ça et des petits détails sur le sur le petit devant là. Franchement, trop trop mignon. Donc voilà pour la première tenue. Tourne un petit peu, Miquette. Fouah ! On dirait un arc-en-ciel. T'aimes ? Oui, on va essayer une autre tenue. Pour cette tenue-ci, j'ai pris une petite robe comme ça et fait marin, marinière, ce que vous voulez. J'ai trouvé ça trop trop mignon avec un nœud ici, un col papillon. Comme ça. Oui, un papillon. Un col comme ça, donc c'est collé, hein, vous pouvez pas l'enlever. Et des petites rayures comme ceci. Franchement, j'ai trouvé trop mignon. Tourne un petit peu. Le dos, il est magnifique aussi. Regardez le col. Super beau. Comme ça et tout. Donc voilà, ça fait un peu écolière en même temps. T'aimes bien? J'ai trop aimé. Donc voilà pour cette tenue-ci. Pour la tenue suivante, je lui ai pris une petite robe comme ça, avec le haut un petit peu effet dentelle, un petit peu bouffant, comme ça. Et le bas fleuri, il y a la petite ceinture qui va avec, elle est en espèce de soie, enfin c'est pas de la soie, mais vous savez, imitation. Et le petit sac comme ça, donc là on a mis un petit truc dedans au hasard pour que vous puissiez voir le petit sac. Franchement j'aime trop, c'est trop mignon. C'est léger, c'est pour l'été, t'aimes bien. Donc voilà pour cette tenue-ci. On va mettre une autre tenue maintenant? Oui. Pour la prochaine tenue, pareil, une jolie robe fleurie comme ça. Elle est trop trop belle avec des grosses fleurs roses. Donc comme je vous ai dit, évidemment, vous aurez tous les liens en barre d'informations. Il y a un petit sac comme ça qui va avec. Ma fille, elle est fan de sac, vous savez. Dedans, elle a mis un petit objet. Dedans, vous savez c'est quoi? On va vous montrer c'est quoi. Hop. C'est une petite babouche. Bouchette. Voilà, une petite babouche, c'était juste pour montrer qu'il y avait un petit sac. Donc voilà, elle est comme ça et elle descend en dessous des genoux. Pour ma fille, j'ai tout pris en taille 5 ans. J'ai tout pris en taille 5 ans pour vous donner à peu près... voilà, c'est un tout petit peu grand parce qu'elle a 4 ans. Mais je me dis qu'au moins, on pourra le garder longtemps. Vous voyez, par exemple, ça baille un petit peu ici. Mais voilà, c'est pas grave, ça vous mettez un petit gilet. Elle est hyper, hyper fine. Donc vous pouvez mettre un petit short, un petit débardeur en bas, il n'y a pas de souci. Tourne un petit peu. Super cute, franchement. Et encore les chaussures comme ça. Oui, encore les chaussures magnifiques. Masha'Allah. Vraiment, c'est très très joli. Hein. Ils ont des tenues, elles sont vraiment magnifiques. Pour vous dire, ma fille, elle est connue dans son école pour être la petite fille qui porte les plus belles robes. C'est vrai, hein, je vous jure. Vraiment, les maîtresses, ils me disent tout le temps, les tenues, elles sont magnifiques. Et d'ailleurs, même ma grande, dans son école, on lui demande tout le temps d'où viennent les tenues. Vraiment, les dames là-bas et tout. Donc, pour vous dire que c'est vraiment joli. Ensuite, pour la prochaine tenue, j'ai pris la même que celle de ma fille. Celle que ma fille vient d'essayer, celle-ci. Et pareil, franchement, elle est pile poil. Elle est pile poil, c'est du 5 ans, mais j'aime trop moi quand c'est grand. Donc ça me dérange pas. Avec... Vous avez des petits volants sur les épaules, donc il faudra juste repasser un petit peu, vous savez, on vient juste de recevoir. Donc ça remonte un petit peu et elle descend vraiment jusqu'en bas. Donc peut-être prendre une taille 4 ans si votre fille a 4 ans. Moi c'est pile poil, ça me dérange pas quand ça traîne un petit peu par terre en été. C'est pas si grave, ou au pire elle pourra toujours la mettre l'année prochaine, vous me direz. Mais il y a quand même une petite ceinture, là je ne l'ai pas mise, mais il y a une petite ceinture, donc vous pouvez quand même remonter un petit peu. Donc voilà pour cette tenue-ci, tourne un petit peu. On dirait une espagnole, on dirait que tu vas faire une danse espagnole. Ensuite j'ai pris une petite robe comme ça, effet jean, mais c'est pas du tout du jean, hein, c'est du tissu. Avec un petit col, un petit détail ici, une petite rose. Pareil, elle descend en dessous des genoux. Voilà, elle est assez fluide. Pareil, il y a une petite ceinture avec, je ne l'ai pas mise là, mais vous pouvez très bien la mettre. Voilà, elle est hyper simple, très bien pour l'été. Pour finir avec les tenues pour la petite, j'ai pris un chemisier comme ça. Ce qui est bien, c'est qu'ici, il y a un bouton au niveau du nœud. Donc vous pouvez très bien l'enlever si vous voulez. Donc là je vous le montre avec le nœud. Et vous pouvez très bien le retirer si vous voulez juste laisser la petite chemise comme ça. Moi je l'ai prise pour la rentrée. Donc voilà, faudra la laver, la repasser, etc. Mais vous avez compris le principe. Franchement je l'ai trouvée trop trop mignonne quand je l'ai vue sur le petit mannequin sur Shein. Donc voilà, vous avez le petit nœud avec ou pas. Dans le dos c'est comme ça. Franchement j'aime trop les cols à volant comme ça. Donc voilà, hyper simple. On a mis le petit short en dessous. J'ai beaucoup aimé. Pour finir, on a pris une robe de princesse comme ça, parce que ma fille, elle voulait une robe La Belle et la Bête. Voilà, pour celles qui ont la référence.
aussi avec tes chaussures de princesse. Ouais, mais par contre, je me suis trompée dans la taille également. J'aurais dû prendre 110, voire 120 maximum centimètres. Et là, j'ai pris 130 et c'est assez grand. Donc bon, c'est pas grave, on en recommandera une à sa taille. Et je pense que celle-ci, bah, elle sera pour sa sœur, tout simplement, pour la grande. Donc voilà, tourne un petit peu qu'on voit quand même derrière. Franchement, elle est hyper jolie, hyper bien faite. C'est juste qu'elle est un petit peu grande. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire quelle tenue vous avez préférée en commentaire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao !